D'abord, m'a dit que moi ouais toute une marée humaine et des générations confondues qui viennent pour appui non seulement à Jerry Tardieu, mais à ça que lui offrit comme label, à savoir investir et s'investir en Haïti. Ça veut dire nous sommes capables que non seulement libérer ça, les symptomatiques de nous sommes capables de dire d'une fièvre de jeunesse qui t'a remis que le pays aller de l'avant, mais les évocateurs d'un changement de paradigme. Ça veut dire pour moi-même, pays ça, littéralement gain importance aux yeux de son auteur qui est Jerry Tardieu, aux yeux de la jeunesse qui est venue en foule, aux yeux des professionnels de tous ordres, aux yeux de la société haïtienne qui défile pour venir là aujourd'hui, que moi crois, tant que Jerry Tardieu dit, un acte de foi tel un credo que pays ça, tôt ou tard, faut aller de l'avant. Mais ça qui est belle là, c'est que investir en Haïti, oui, mais pour nous permettre, nous capables d'attirer l'investissement, il faut que d'abord nous investir tête nous. C'est pourquoi s'investir en Haïti. Investir dans nous, investir conscience nous, investir sans gain comme capital humain, investir l'amour nous, dans le pays qui doit aller de l'avant. C'est un bonheur pour moi de donner la main à Jerry Tardieu et de l'appuyer dans cette œuvre humaine, humaniste pour une nouvelle Haïti. C'est une impression positive parce que c'est une nouvelle œuvre que le pays mérite d'ailleurs, puisque nous disons depuis ces 10 dernières années que nous sommes ouverts à l'investissement. Et moi, en tant qu'ex-ministre du Commerce qui avait mis en place le Centre de facilitation des investissements, je crois que c'est tout à mon honneur que quand même ça puisse continuer et qu'on voit des personnalités dans le pays qui s'inspirent sur l'investissement, qui sont prêtes à partager ce qu'ils ont enregistré comme démarche, comme difficulté aussi et comme solution aussi. Donc, je n'ai pas encore ouvert le livre, mais je suis sûre qu'en lisant, on va voir une traçabilité, une continuité, si l'on veut, des actions qui ont été faites depuis ces 10 dernières années dans le domaine de l'investissement en Haïti. Alors, généralement, on sait que vous évoluez dans le monde de la mode. Est-ce qu'il y a un rapport entre la mode et l'écriture? Il n'y a pas de rapport. La parole, c'est faite chère. Donc, on dit qu'au commencement, c'était la parole. Donc, ce qui veut dire que toute action peut marcher avec une parole. Donc, la mode, sa parole, c'est la même littérature qui est liée au magazine, qui est liée... Parce que vous présentez un modèle, mais il faut pouvoir le décrire. Et donc, il faut dire quel est le matériel, il faut dire les tissus. Donc, quelque part, il y a un rapport. Donc, quelle que soit l'action, il y a l'écriture avant. C'est Scoop, donc je vous encourage à continuer à vous investir et à parler aussi de l'investissement en Haïti, qui pour nous est un acte de foi dans la mesure où ce n'est pas évident. Toutes les conditions ne sont pas réunies, que ce soit les conditions financières, que ce soit les capitaux, que ce soit tout ce qu'on veut, mais il faut avoir la foi pour s'investir et encourager les autres à investir. Scoop TV vous remercie. Merci Scoop TV, à bientôt. Bon, oui, je voudrais saluer tout le monde qui a suivi Scoop FM. Vous connaissez Scoop FM toujours présent dans toute activité qu'a fait. Et je dis à nous faire des déplacements pour nous venir et pour te support à un jeune, pour Jerry Tardieu, qui croit dans le pays, qui participe dans le pays déjà, soit c'est dans le domaine sport, domaine politique, et qu'on y a même le domaine culture, tu as écrit un livre, ou qui initiative te prend pour te construire même dans Petroville pour attirer plus de touristes. So nous venons là pour nous porter le support parce que c'est une belle initiative liée. Et nous connaissons tous ces amis, mes compatriotes qui décidaient que l'Ivoire dans l'élection tout. Parce que bah, c'est très positif que faut que nous avons l'autre Haïti, on l'autre vision. Et je pense que Haïti qu'on veut gagner là, c'est pour tout le monde participer là-dedans. Et le travail que Jerry Tardieu a fait, ouais, que son bel travail lié, il y a plein de monde qui fait déplacement pour nous supporter lui. So, nous encourageons à continuer avec mon travail à faire. Alors sénateur, et titre livre ça. Il fait trembler.
investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Ou même comme entrepreneur, ou même comme monde qui investit, qui investit dans le pays à tout. M'koué, dit ça à tout et yon baga. Alors, qui sont capables de dire avec moun kap gade yo, comme un monde qui investit dans le pays à? Est-ce que selon vous même, c'est un appel avec d'autres monde pour venir investir ou bien, et dit ça capable de faire l'autre monde courir pour Haïti à pas venir investir? Non, premièrement, moi pense que pour investir dans le pays, il faut aimer le pays en pile. Et nous connaissons les conditions socio-économiques pas faciles. Même parce que toi, avant que nous encourageons l'autre monde à venir investir, il faut nous toujours encadrer les gens qui l'ont déjà. Il faut nous donner les moyens pour que nous continuions de travailler. Je pense que faut que la banque, là, même un petit jean pied ouvert, pas prêter les gens qui ont l'argent seulement. Il faut nous prêter des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont des belles visions, des belles idées pour payer pour le travail. Et je pense que définitivement, n'importe livre, n'importe idéologie qui encourage les gens à investir en Haïti, bien sûr, plus investissement étranger ni local, nous gagnons la plus bonne pour payer nous plus d'emplois. Même pas ce focus-là, l'essentiel c'est protéger les gens locaux qui déjà investi dans le pays pour chercher un moyen pour mieux encadrer pour que le pays nous avance. Alors, Anthony Bennett, sénateur, département de l'Ouest, là, c'est arrêté. Bon, jusqu'à présent, Napton et Napton décrit la jeunesse là. Nous voulons faire l'autre bagaille, mais tout autant que pas gagner l'élection, nous pas gagner titre. Même parce que ce n'est pas avec un titre pour que nous fassions des choses pour le pays. Nous, même comme simples citoyens, nous avons nous toujours fait. So, cependant, qui n'importe qui le, que entre ta fête, entre toutes parties concernées, nous même continuons à faire devoir nous comme citoyens, comme commerçants, comme jeunes, comme sportifs, pour nous mettre main. Moi, je pense que c'est tout le monde ensemble pour que nous avons l'autre Haïti. Sénateur Tidoni, Scoop TV, merci. Merci un peu, Scoop TV, bon travail. Et c'est grâce à la presse que le peuple a vécu des séries de belles bagues qu'a fait dans le pays. Normalement, je suis venu retirer mon exemplaire parce que M. Tardieu a été un grand supporter de Miss Anaïs et aussi c'est un citoyen qui s'engage dans le développement de son pays. Il écrit pour inciter les gens à beaucoup mieux s'investir dans le pays. Alors, je vous invite aussi à venir retirer vos exemplaires et moi-même, je pense que c'est un bon livre et je suis impatiente de le lire. Normalement, je suis une étudiante en administration des affaires et je compte m'investir dans l'hôtellerie. Alors, je leur dirais que ce livre, Investir et s'investir en Haïti, c'est un bon livre. Il faudrait vraiment le lire si vous comptez vous investir et si vous comptez aussi vous cultiver. Et la police doit gagner un bon rapport avec l'écriture. Et je dis, hein, pendant qu'on a parlé, hein, yo lié en pile formation la police là à l'écriture. Yo et policier li pas et jodiant un simple individu et qui a peu courir des bandits, mais li c'est tout yon et personnage qui a réfléchi, qui a pensé et qui a peu fait des propositions et en ce cadre à conditions sécuritaires yo amélioration pour côté. Et parce que jodi an, criminalité, c'est un autre bagage, il dépasse les frontières, criminel a pensé en pile. Donc il faut tout que policiers et responsables de police pensent tout pour capable de contrecarrer l'action bandit. Donc moi je pense que c'est important pour que les policiers aient en plus de travail et quotidien qui c'est effectivement bail sécurité, mais également penser. Moi je pense que investir, et c'est entrepreneur qui fait ça. Que ce soit entrepreneur qui l'a déjà, que ce soit nouveau entrepreneur, et investir, c'est ce travail. Yo. Et pays ça, c'est un pays qui a besoin justement qu'un pile monde investit là-dedans. Et monde s'occupe à l'investir, il faut que quand même ils comprennent que l'investissement est garanti. Et moi, je pense que toute action qui est capable bah, les gens ont assurance, ça, confiance, ça, que l'investissement est garanti, à même penser qu'il faut tendre les lits, il faut appliquer les lits, et c'est la seule façon pour nous capables de gagner un pays vraiment qui est chargé avec investisseurs, parce que ce pays a besoin en pile ça, et le taux de chômage est très bas. Si pas d'investisseurs qui a investi dans le pays, certainement, c'est très difficile pour arriver à enrayer, souffler, et phénomène ça, qui est sous-emploi dans le pays Haïti, qui a besoin justement que en pile moun joine emploi pour sortir la situation économique chaotique qu'il y a. Il faut encourager l'investissement d'idées, l'investissement de ressources humaines,
investissement aussi de ressources matérielles. C'est tout cela qui peut nous amener à l'aménagement d'une ambiance du vivre ensemble. Et c'est ce que nous voulons. Pour vivre ensemble, il faut pouvoir donner du travail, il faut doter le pays de structures nécessaires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer ce que j'appellerais la concrétisation du grand rêve d'une Haïti digne des prouesses de nos ancêtres. Écoutez, et saluer le travail d'un vrai compatriote, d'un immense intellectuel et d'un investisseur qui travaille au bénéfice de la population haïtienne, qui entre tout dans la politique d'investissement prônée par le président de la République et le premier ministre Laurent Lamothe. Nous avons un pays qui est chargé avec opportunité, potentialité. Il est permis de rêver. On peut rêver. Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider à porter le poids de vos rêves, ils peuvent se concrétiser. C'est ce que nous faisons pour Jerry Tardieu, qui se passe de présentation. Donc, l'ambiance qui règne ici montre à quel point la population croit en ce qu'il fait. Et puis, on voulait accompagner pour non seulement rendre hommage, mais continuer à encourager pour l'avancer dans la bonne direction, car il est sur la bonne voie. Investir, c'est investir en Haïti, on a de froid. Et ça, tu t'as dit pour vous? Un titre très significatif et suffisamment éloquent pour ne pas s'en peu sentir là-dessus. C'est-à-dire, il faut avoir du courage, il faut y croire. Il faut croire en son pays, il faut croire en ses possibilités. Et tous les rêves sont permis. Donc, il faut qu'on soit capable de croire, qu'on soit capable d'atteindre l'objectif qu'on fixe. Il faut avoir de l'audace, du courage et puis et la passion de ce que l'on fait. Et je pense que Jerry a la passion de ce qu'il fait, l'incohérence à l'affaire. Et sa réussite en est une preuve et palpable, tangible. Donc, un compatriote comme ça, c'est quand même un modèle et un bel exemple à suivre. Et nous encourageons nos compatriotes à baigner dans son sillage. Donc nous sommes là ce soir pour l'accompagner, l'aider, lui prouver notre reconnaissance et lui dire qu'il fait un sacré boulot, du bon travail. Très satisfait et de quantité de monde qui vini dans 21 tu ouvrage ça prouve que jeunesse Pétionville là et comprendre ça n'a faire ça prouve que gagne des monde qui intéressé dans débat d'idées gagne des monde qui intéressé comprendre comment mon investi en Haïti pour qui ça mon investi gagne des monde qui intéressé dans l'autre discours un discours positif. On dit qu'on a gardé l'avenir différemment. Trop souvent dans le pays, nous avons malheureusement pensé que nous gagnons. Et
des mauvaises habitudes pour nous garder l'avenir de façon pessimiste, alors que si nous gardons plus loin que Boutenay nous, nous gardons que le pays a un gros potentiel qui a exploité puis devant. Donc moi-même, c'est tout ça que je parle dans le livre. Moi, son livre entretien que je fais avec Pierre-Raymond Dumas, qui posait une question, je répondu avec honnêteté, avec franchise. Il posait une question sur vie personnelle, il posait une question sur le parcours académique, je répondu. Il posait une question sur des thèmes d'intérêt public, que c'est World Minister en Haïti, que c'est problème ONG, que c'est budget national, que c'est question haïtiano-dominicaine. Nous touchons un ensemble de thèmes, un ensemble de domaines. Et côté que je m'exprime très librement, très clairement. Et je pense que les jeunes, parce que c'est un grand pile d'étudiants qui viennent là en soi, je pense qu'ils n'ont pas apprécié l'ouvrage. Et je souhaite faire l'autre 20 signatures dans la commune. Je connais pas dans toutes 5 sections communales de Pétionville. Donc, et je remercie tout le monde qui est venu aujourd'hui en très grand nombre. Je m'excuse, moi j'en fais fatigué parce que depuis après-midi, je m'abstiens. Donc, mais quand même, c'est une grande satisfaction.